Le bassin de Bidassoa Tchingoudi se niche au cœur du golfe de Gascogne. Plongé dans des eaux magiques et couronnées de montagnes emblématiques, la Rune, Peñas de Aya, Jaizkibel, se trouvent les communes de Irún, Andai et Hondarribia, qui constituent un site lumineux et diversifié. La mer et la montagne délimitent ainsi une région privilégiée et tranquille où les langues basques, espagnoles et françaises et les différentes cultures locales cohabitent. La baie de Tchingoudi, dans un cadre exceptionnel, offre les plus belles images du monde aquatique et d'espaces naturels. Le consortio a décidé d'en faire le centre symbolique du bassin Bidassoa-Tchingoudi. Constitué en 1998, le consortio Bidassoa-Tchingoudi est une institution unique en Europe, chargée de piloter les projets transfrontaliers de développement commun. Les traditions festives des habitants de la baie de Tchingoudi sont devenues un art de vivre. À ce sujet, nous pouvons citer par exemple la procession du Vendredi Saint, la cérémonie de la Kucha et la parade des armes qui date de 1638 à Hondarribia. La parade de San Martial depuis 1522 et la Euskal Jira à Irún. La fête basque et les Bichincho à Andai. Dans cet environnement magnifique, Hondarribia est certainement l'une des villes les plus belles de l'arc atlantique. Son quartier historique aux ruelles et immeubles médiévaux conserve encore tout son charme original, notamment son église paroissiale et son château, aujourd'hui relais de tourisme. Son quartier de La Marina est un ensemble urbain unique au Pays Basque, avec ses maisons de pêcheurs colorées, où le visiteur pourra jouir du plaisir de déguster les meilleurs poissons du golfe de Gascogne. La ville permet de conjuguer des journées de plage et de sport maritime dans un magnifique port de plaisance et des promenades à travers les montagnes où les amateurs de randonnée et cyclisme pourront découvrir le fort et la chapelle de Guadalupe. Andai, quant à elle, avec ses 3 km de sable fin, figure parmi les plus belles plages du golfe de Gascogne. Les eaux sont très appréciées des passionnés du surf et en été, le site offre toutes sortes d'animations. La station offre aussi de multiples services, de longues promenades piétonnes au bord de l'eau, un centre de thalassothérapie et un centre de congrès ultra moderne.
Au pied du quartier de Chocobourou et du Casino, le port de plaisance constitue une référence du littoral aquitain et de la côte basque et permet la pratique de nombreux sports nautiques. Andaye abrite en outre une agréable surprise architecturale, le château d'Abadie. Conçu au XIXe siècle par Antoine d'Abadie, homme de science mondialement reconnu, il domine un magnifique espace naturel de 40 hectares d'où l'on peut contempler les deux jumeaux et la baie du Loya. En longeant le chemin de la baie qui relie Andaye, Irun et Hondarribia au bord de la Bidassoa, le visiteur rejoindra le centre-ville où il pourra découvrir toute la richesse gastronomique et sportive du Pays basque. En traversant le pont international, vous vous trouvez à Irun. La ville dotée d'un dynamisme économique de dimension provinciale propose une offre commerciale considérable avec plus de 1300 boutiques et un parc d'exposition doté des dernières innovations technologiques. La ville d'Irun offre également un agréable environnement avec son parc naturel de Peñas de Haya et son parc écologique de Playa Hundi, l'un des meilleurs marais d'Europe où l'on peut contempler une multitude d'oiseaux. La qualité de l'environnement et la riche histoire de la ville se donnent la main à Irun depuis 2000 ans avec le port romain d'Oyasho. Un noble passé que conservent encore de nombreuses rues, celle du chemin de Saint-Jacques en particulier, bordée de magnifiques immeubles. L'île des Faisans, quant à elle, territoire partagé entre Irun et Andaye, entre France et Espagne, constitue le trait d'union des deux rives de la Bidassoa. Plus loin, une excursion à la belle chapelle de San Martial permet de jouir d'un merveilleux panorama.